Et bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de Final Fantasy Crystal Chronicles. On en est à l'écluse de Louvre, je crois qu'elle s'appelle. On avait vaincu plein de monstres et on se balade et on voit plein de trésors dans l'eau qu'on ne peut pas récupérer pour le moment. J'ai pas encore appris à nager. Je suis comment? Voilà. Voilà. On peut quand même sortir du miasme, hein, sans trop de problème. T'as du miasme, du périmètre qui empêche tout problème avec le miasme. Bah c'est. Oui, bah c'est mal à la même porte en fait. En fait, ils sont pas forts, mais ils sont plusieurs. Hein. Ils sont nombreux. Ouais, ça fera un en moins. Et c'est une carotte. Oh la punaise! Je me fais courser par un tas de morts. Oh, il m'a chopé au passage. Oh, mais laissez-moi vous taper. Oh, mais... Ouais, ça fera au moins... Et de deux. Pas me... Hein? Bon. Alors, on va manger un truc. Donc ça, je peux prendre le poisson que je peux manger. Donc comme ça, je peux prendre une graine. De fruits que je pourrais envoyer. Ah! C'est commande objet. Du coup, déjà besoin de matériaux pour forger de l'équipement. Ah ouais, super. Hop, on s'en fout. On prend une marque de chair. Ah, c'est une marque de chair. D'accord. Alors là, il y a une autre porte. Wow! La tronche de tétard là, qui... Non mais Nigil, en plus il y a rien. Il a une sale tête, mais en plus il y a rien. Il a tout pour plaire ce monsieur.
Oh, des sous. Le gros tas de morts, mais il est plus généreux que l'autre. C'est moi, ils sont moins difficiles que... que ceux qu'on avait rencontrés à la rivière Belle. Boum! Ah bah celui-là il est bien! Très généreux ce monsieur! Par contre il n'y a pas de coffre. Des coffres partout mais dans la maison il n'y en a pas. Bon! On peut pas passer derrière. Reviens ici bébé. Bon mais il n'y en a pas là. Ah bah c'était là où on était la première fois. On savait pas comment faire pour venir ici. Oh t'es... Donne-le-moi. Et puis dans 3 ans je vais dire ouais laisse-le-moi dans le champ de ville. Bon, on va se reprendre un peu de vie parce que là le mias on a un petit. C'était quoi ça? Un truc de flamme dans le coin, quoi. J'ai pas tout suivi, les joues. Allez, on va mettre la clé. Ah, le boss. Je sais même pas comment on fait pour prendre les trésors hein, si on a le boss comme ça. C'est quoi ça? Une essoreuse? Qu'est-ce que c'est que le truc? Ah, dis-le, t'es un golem. Il fait mal lui. Ah
vache. Encore pas touché. Ah, touché une fois. C'est tout ? Ah non, c'est bon. Oh, mais il s'en va. Oh mais oh. Tiens. Putain. Ouais, ça me fait manger ce truc là, attends, je crois. Voilà. Oh mais il commence à me... Ah bah je suis confondu. Oh non, moi je t'ai touché à ce coup-ci. Ah non, là je t'ai pas touché. Tiens. 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 Ah non, pas tiens. Oh mais ils sont cause bonbons les machins là, les slimes. Je m'en suis pris un peu dans le nez, moi. Ah. Oula, c'était quoi ça? Objet. On va se manger un steak, une boisson, un truc, de la viande.
Attends. Tiens. 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 Paf. Je suis un peu en feu. C'est quand même beaucoup plus simple quand il n'y a pas les espèces de slime, hein. Et voilà, et paf, exterminer le golem. Et voilà, on va récupérer l'ami. Ça doit être la dernière, hein. Goutte pour la fin de l'année. On va pouvoir rentrer dans la ville l'année d'après. Et ben voilà, on va remplir la mire. C'est... S'il n'y avait pas eu les espèces de tas de morphes là qui me couraient après, ça aurait été plus facile. Mais... Nouvelle note dans les journaux. Alors on va pouvoir se stuffer un peu plus. C'est une lettre de l'Oasis, mère de Seb. Pareil que les pommes rayées de fumée sont bien meilleures que celles du marché. Je crois que les carottes étoilées et les patates coches sont aussi des spécialités locales. J'en goûterai. Envoie un petit objet. Et je vais envoyer une graine de fruits. Oui. C'est des plantrons. Voilà. Et là on va se stuffer un peu plus. Et par contre après faut lire l'histoire. Oh c'est bon flan. Cent cinquante, 160. Là, je peux tous les prendre. Magie plus 1, résistance plus 2. Gagner un cœur, magie plus 3. Magie plus 3. Ah bah c'est le seul que je peux pas, bien sûr. Je vais prendre la résistance plus 2. Ce sera toujours ça de gagner. Journal de l'année 3.
La rivière, ben, nous avons vaincu un méga crabe. Notre calice contient une nouvelle goutte de mire. Mog a eu très peur. Mais nous avons réussi à nous en sortir en vie. Même si nous avons remporté de nombreux combats, nous devons rester vigilants. Nous avons repéré les brigands rayés au bord de la route. Le bruit courait qu'ils avaient récemment tué un homme. Alors nous leur avons demandé des explications. Ils ont affirmé avoir pour principe de ne jamais tuer. Cela peut paraître surprenant, mais je pense qu'ils ont un bon fond. Je crois que nous devons leur faire confiance. Ouais, allez plus vite là parce que... Oui, il commence à danser et chanter maintenant. Nous avons pris un repas avec les carabiniers de Fum. Ils nous ont offert du pain et de la viande de leur propre ferme. Le pain était tendre et la viande goûteuse. Mais le pain dur de maman reste mon préféré. Ok. Lucette de Marne nous a parlé. Les flambeaux ne portent pas d'objets de valeur. Mis à part le flambeau d'eau, qui détient parfois du gel rafraîchissant. C'est peut-être ça que j'avais. Parce que j'en ai chopé du gel rafraîchissant. La forêt des champignons, nous avons acquis un xylomètre et récupéré une nouvelle goutte de mire. Aujourd'hui. Après cette victoire facile, nous avons enfin pu nous détendre. C'est étrange, je n'imaginais pas devoir un jour livrer de tels combats. Aujourd'hui, nous avons rencontré un dénommé Pierrot. Il voyage alors même qu'il n'appartient à aucune caravane. La caravane de Mar l'a abandonné. Sous nos yeux, ils auraient pu mourir. Nous remercions de l'avoir sauvé. Il nous a lu un poème étrange sur le seigneur des épines, gronde le tonnerre, mais il ne dit mot et reste droit et fier. Ok. Ce matin, nous avons croisé les caravaniers de Mahar. Passent leur temps à chasser des monstres. Aujourd'hui, ils nous ont offert une pièce de leur butin. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous inquiéter pour les autres villages. Mais j'espère qu'ils arriveront à récupérer suffisamment de mire. Nous sommes tombés sur le couple de Leda. Les deux Selkies nous ont demandé comment nous allions, mais dès qu'ils ont vu toute la mire que nous avions déjà récupérée, ils sont devenus très agressifs. Ne cherchant pas querelle, nous avons préféré partir. Au plus mal. Chez la ville des Yuk. Il y a comme un frisson dans l'air. J'ai du mal à croire que Tipa et Shella appartiennent au même monde. On raconte que les Yuk portent des habits qui amplifient leur pouvoir. Logique. On dit même qu'ils ont une âme privée de corps. Ce qui est sûr, c'est que ce peuple est profondément mystérieux. Mais pour y aller, on a une marque.
L2. L'écluse de VO2 fut construite en période de paix. L'arbre à mire a poussé ici comme pour célébrer l'avènement d'une telle époque. Malheureusement, il s'est élevé juste à côté du golem qui était censé protéger l'écluse des monstres. Et une morale de cette ironie du sort, on ne gagne rien sans travail ni peine. Ouais. Notre troisième année de voyage touche à sa fin. Elle nous a apporté de nouveaux souvenirs, mais ceux de l'an dernier commencent à s'estomper. Je me demande ce qui arrive aux souvenirs que nous oublions. Je crois que j'ai compris une chose sur les routes. Quand on embrasse son passé, c'est avec tristesse que l'on regarde l'avenir. Oh, c'est joli. S'en fout, mais c'est joli. Année 4. Je sais pas combien il y a d'années. Élément des courants de miasme, année 4. Au feu ventaire, si tu veux. On nous visite de temps en temps. Ok. Tu veux jouer avec un mégalithe encore? Oh, tu es hanté, tu auras fond de choses à raconter. Blablabla. Ça va, Seb, ce n'est pas énorme, mais prends ça avec toi. Oh, super. Les guilles. Oh, deux ans guilles. Ah, mais on a grave de raison, ça m'intéresse. J'en veux pas, merci. Oh, mais décoce-moi, hein. Il y a personne dans ce village, en fait. Avec des Pokémon. J'ai même pas piqué le bateau, ouais. Enfin, va. La quatrième année de ton voyage commence. Tu dis au revoir à tes proches. Reviens les voir de temps en temps, afin qu'ils savent que tout va bien. À propos, ça fait longtemps que nous n'avons aucune nouvelle de nos trois jeunes érudits. N'arrivant pas à sauver le monde tout seul, il aurait accepté l'aide d'un chevalier renommé, c'est ce qu'il disait dans ses dernières lettres. Il est vrai que la camaraderie est un bien précieux, traite les amis avec respect. Adieu. Salut. Et ben on va s'arrêter là, hein. On va sauvegarder ici. Et nous, on se dit au revoir et on se verra la suite très très bientôt. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne. Vous aurez toutes les dernières vidéos. Pas en avant-première, je dirais, mais vous serez prévenu de leur sortie. Et puis, laissez-moi un petit commentaire. Un petit peu de pub, ça me rapprochera aussi. Et à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.